Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais. Ouais. Moi aussi ça va. Je m'appelle Annie Palenclume. J'ai 15 ans. Wow. Oui, je sais. Je suis vieille un peu. Parce que je vois, il y a la jeune fille à mon gâté. Hein. T'as 15 ans? J'aurais dit un peu 32, mais c'est pas grave. Non, non, j'ai 15 ans. Et je suis humoriste et comédienne. Donc je vois que vous êtes chaud ce soir. Ouais. Donc on va faire un petit jeu. Parce que moi j'aimerais bien savoir qui de gauche ou de droite. Donc il n'y a pas de milieu, il faudra choisir. Et il n'y a pas de derrière, donc il faudra aussi choisir. Qui crie le plus fort? Vous avez compris? Ouais. Moi. Vous avez compris? Ouais. Je répète, on va faire un jeu. Parce que moi j'aimerais bien savoir qui de gauche ou de droite. Donc il n'y a pas de milieu. Ouais. Il n'y a pas de derrière. Qui crie le plus fort? Est-ce que vous êtes prêts à jouer ce soir? Moi. Ouais. D'accord, alors à gauche. Ouais. À droite. Ouais. À gauche. Ouais. À droite. Ouais. C'est génial. J'ai vraiment l'impression de voir le PS contre l'UMP. Hein. Dommage pour la droite. C'est la gauche qui a gagné. Vous réussirez dans 5 ans. Donc il y a des mecs ce soir dans la salle. Hein. Ouais. Non, il n'y a pas de mecs. Il y a des mecs ce soir dans la salle. Ouais. Ouais. Il y en a, il est fier. Hein. L'autre, un peu moins. Tu voulais être une fille peut-être? Donc je vais vous dire quelque chose. Arrêtez vos techniques de drague à la con. Ouais. Arrêtez vos techniques de drague à la con. Non mais parce qu'en fait, je marchais toute seule dans la rue. Et oui, jeune fille, t'as marié de marcher toute seule dans la rue. Parce que je vois, elle me regarde. Elle marchait. Toute seule, dans la rue en plus, quand même. Oui, ça m'arrive de marcher toute seule dans la rue, et là, il y a le mec qui vient avec une drague. Mais c'est pas Jackleman, hein. C'est pas vous, monsieur. Hé, hey, toi, hé hey. On t'a jamais dit t'es belle. Ou comme on dit chez moi, t'es bonne, raille, fais du bruit. Le mec, il est sept ans, fais du bruit. Sinon, t'as les cheveux lisses. Tu me partes au 06, comme ça je t'écarte les cuisses. Ouais. Soyez pas choqués. Non, non, ne soyez pas. En plus, c'est tes vrais cheveux. Attends, ils font voir la qualité. Ah, c'est pas synthétique. Non, parce que moi, là d'où je viens, il n'y a que perruque et tissage. J'attends juste le jour où il y en a une qui fait ça, comme ça, un peu qu'elle vole là-bas. Ah ouais. Hein. Sinon, tu me passes ton numéro. Hein. En plus, je t'ai pas dit, je suis un lover. Colonel réel, on m'appelle. Toutes les nuits, je pense à toi. Toutes les nuits, je rêve de nous deux. Toutes les nuits, je pense à... Non, non, t'es pas, je chante. Okay. Près de toi, je nous vois tous les deux. Raïci, c'est fait du bruit. Le mec, il est encore seul dans la rue. Hein. Fait du bruit. Sinon, passe ton numéro. Hein. Ah, tu veux pas? Tu veux pas? En plus, tu réponds pas. Mais t'as cru que t'étais une belle gosse ou quoi? Regardez là, t'as cru que t'étais Blake Lively ou bien? Non, non, t'es Ugly Betty. On est d'accord, c'est pas des techniques de drague. C'est comme si nous, les filles, on venait, on draguait comme ça, les mecs. Attention, les filles, il y a un beau gosse dans la salle ce soir, regardez-le. Mais il a voix, donc pas besoin de secouer la tête. Hein. Salut, toi. T'es plutôt beau. Comme un corbeau. Non, ça te dit pas, tu te lèves, tu nous montres tes abdos. Ah, tu veux pas? T'en as pas? C'est pas grave, hein, tu gères quand même. Raïs, fais du bruit pour lui. Sinon, tu me passes ton numéro? Ah, tu veux pas? Tu veux pas? En plus, il dit non, non, je veux pas. Mais le mec, il a cru que c'était qui? T'as cru que t'étais Bradley Cooper? Non? En fait, c'est ça! Ouais, j'ai cru! Non! Non! Mais d'un côté, ça doit être bien d'être un mec, hein. Vous trouvez pas, les filles? Non! Mais si! Si! T'as un mec, tu fais rien de ta vie et tout le monde s'en fout, hein! Non, mais si! Exemple! T'as un mec, tu pues, mais tu laves pas les dents. C'est le mec de la régie là-bas. Je l'ai vu tout à l'heure, croyez-moi. Alors que t'es une fille, tu pues, tu te laves pas les dents. Bon, d'accord, solidarité féminine, parce que je vois, ils sont là. Non, ne dis pas moi. Je vois, t'inquiète pas.
Autre exemple, t'as un mec, t'as deux copines, t'es Sena. Vous savez c'est qui? Non, c'est Sena. Non, sinon, vous ne connaissez pas. Moi aussi, je connais pas. Alors que t'es une fille, t'as deux copains. C'est une salope. C'est une traînée. Pire encore, c'est Zaya. Tout le monde connaît Zaya. Oui. Ah, le mec, il dit oui. Je vais vous aider, les filles. C'est la fille qui a sa scoliose, là. Qui crie Ribéry. Ribéry. Ribéry, j'adore. Je vois le mec, il est là comme ça. Ah ouais, quand même. Oui, j'aurais pu être Zaya. Mais non, je ne sais pas. Dernier exemple. T'as un mec. Tu sors à 19h, tu rentres à 2h du matin. C'est pas grave, mon chaton, va te coucher. T'es une fille. Tu sors à 19h. Tu rentres à 2h du matin. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Non, c'est bon, tu m'énerves. Va dans ta chambre et va chercher un bulle. Ça vous est déjà tout arrivé. Pas à vous. Enfin, à vous, pas à moi. Merci, c'est tout pour moi.